Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'annonce sur OmniWalk. Je suis en compagnie de Nounou. Salut. Et aujourd'hui, on va vous annoncer pas un, mais deux lives en même temps. Donc effectivement, on s'est dit que là, on s'approche de la fin de l'OmniFest, malheureusement. Et sachant qu'il reste que deux semaines, on s'est dit qu'on va essayer vraiment d'enchaîner un maximum de directs, de lives. Et que vous soyez overbookés pour... C'est ça. Et donc on s'est dit, ce week-end, parce que là on a une semaine assez chargée, ça va s'entamer assez vite, mine de rien. On s'est dit on va faire deux directs, donc il y en aura un le vendredi 21. Donc tout simplement vendredi de, jours, voilà, de cette semaine. Donc ce sera à 13h30. Donc ce sera un petit direct en début d'après-midi. Ce sera un direct assez détente, mais pas totalement, puisqu'en fait on va faire ça sur deux jeux. Donc on a décidé de faire ça vraiment sur deux jeux qui nous tenaient un petit peu à cœur. Avec une première pour Goto qui va rusher un jeu. Voilà. Pour commencer. Alors sur Wind Waker j'avais déjà fait un petit rush, vous avez pu le voir, donc ça va, j'avais de l'avance. Mais là je vais rusher un jeu. Et le terminer. On va pas vous donner plus d'informations parce que ce sera un petit peu la surprise. Tu vas faire ça en difficulté maximale, bien sûr. En difficulté maximum, donc ce sera un rush en difficulté maximum. Je vais essayer de pas mourir, mais je garantis rien, je vais essayer de m'entraîner. C'est juste un rush, hein. Voilà, vous verrez tout le jeu en gros. Quoi. Exactement, le but c'est vraiment de terminer le jeu le plus rapidement possible et de façon la plus propre possible. C'est un jeu qu'on a reçu par la poste aussi. Voilà, par une personne anonyme, donc il fait partie des jeux qu'on a reçus dans les vidéos d'acquisition, et c'est un jeu Game Boy, on vous donnera pas plus d'informations. C'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme, voilà. Donc il y aura du skill, mine de rien ça va être assez sympa à voir. Et moi j'ai hâte de m'y mettre parce que je me suis déjà bien entraîné. Je pense que pas mal d'entre vous iront jouer à ça parce que c'est super connu. C'est super connu, au moins la licence est super connue. Donc voilà, donc du coup il y aura un rush, une sorte de mini speedrun, je vais pas appeler ça speedrun parce qu'il y aura pas de record vraiment de ouf quoi, mais ce sera un bon petit rush, ça vous permettra de voir un petit jeu et puis je commencerai en même temps. Ah, t'estimes ton temps à combien parce que même si c'est pas un speedrun, c'est dur, je sais pas, j'ai peur d'estimer, de mal estimer, mais je vais tenter de dire entre 20 et 25 minutes. D'accord, donc voilà. 20 et 30 pour être large. Voilà, 20 et 30 minutes pour être large. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on a décidé de vous présenter un petit jeu qui nous tenait à cœur, surtout à moi et Nounou, parce que c'est le premier jeu qu'on a fini ensemble. Ouais. Il s'agit de Star Fox Adventure, donc ce sera à la suite du rush, en fait, on va enchaîner directement avec un deuxième jeu, et il s'agira de Star Fox Adventure sur GameCube. Là, cette fois, ce sera plus un espèce d'omniplay, enfin, on jouera voilà, pour vous montrer. Voilà, c'est ça, omniplay VGM, en fait, on va jouer au jeu, on va vous le présenter un petit peu, histoire que vous puissiez le voir, parce que c'est un jeu qui sort un petit peu du lot, et qui, mine de rien... pas très connu, mais vraiment très sympathique. Mais on connaît plus Star Fox Assault, tout ça. Star Fox Assault, puis les Star Fox Shoot 'em Up, en fait, tout simplement. Ouais. Là, c'est vraiment Star Fox Adventure, et comme il est assez sympathique et qui sort de la licence, on tenait à vous le présenter, et puis à y jouer un petit peu en live, commenter, déconner, voilà, faut vraiment un rush, puis une petite détente ensemble sur ce direct. Voilà, ça. Donc ça, ce sera pour le vendredi 21 à 13h30, je le rappelle, sur Twitch. Le lien est dans la description, comme d'habitude, à la première ligne. On le mettra, de toute façon, sur Facebook. Sur le Facebook, comme d'habitude. Et pour le samedi, un autre direct. On enchaîne directement le jour d'après avec un deuxième direct. Donc ce sera le samedi 22, exactement. Et cette fois-ci, ça se passera à 15h. À 15h. Toujours sur Twitch. Et donc, ce direct-là sera tout simplement sur Crash Bandicoot 2. Voilà. Et ce sera un direct en compagnie de Marvin. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Marvin qui avait fait le direct sur Resident Evil 2. Vous pouvez trouver une interview de ce magnifique personnage sur la chaîne. Et la particularité de ce direct-là, c'est que ce sera un direct OmniWalk Challenge, mais en même temps rush. Voilà, en fait, c'est une sorte de compétition, enfin, en quelque sorte. Compétition entre Marvin et Goto. Voilà, c'est ça. En fait, l'objectif sera de terminer le premier monde le plus rapidement possible. Et ensuite de le refaire chacun leur tour, enfin ils feront chacun un stage et avec un défi que je leur donnerai. C'est ça, voilà. Donc ce sera vraiment, je pense que ça va être assez marrant parce que... Et celui qui gagne, eh ben, il a le droit de donner un challenge à l'autre. Voilà, donc, challenge ou gage, donc à mon avis ça va être assez fun. Et il y aura, enfin je pense qu'il y aura du skill parce que... Et pour ce direct d'ailleurs, il y aura aussi un ou plusieurs spectateurs, on verra. Ouais, voilà, des personnes qui viendront assister. Qui viendront assister à ce direct-là. Voilà, donc du coup je pense que ça peut être assez marrant, enfin il y aura du rush, etc. Donc je pense que ça va être un week-end assez rempli, hein. Voilà, vous aurez le dimanche pour vous reposer par la suite. Donc voilà, deux directs. Donc comme je vous ai dit, le vendredi 21 à 13h30 et le samedi 22 à 15h. Donc les deux en,
début, milieu d'après-midi, l'histoire que vous puissiez tout simplement... Alors, en tout cas, on s'excuse quand même parce qu'on n'a pas prévenu beaucoup à l'avance, mais on va les rediffuser directement après, et dès qu'ils seront finis, on les mettra à poster. Voilà. Comme les directs précédents, vous avez vu, c'est posté quasiment le jour même, donc au moins, si vous voulez regarder, c'est très très simple. Donc, pas de soucis si vous le loupez, si vous voulez vraiment pas le louper, il n'y a pas de problème, il sera rediffusé sur... dans la playlist de l'OmniFest et aussi dans les directs. Exactement. Donc voilà pour cette double vidéo d'annonce de live. On va essayer de refaire... Enfin, je ne sais pas si on va essayer de refaire la même chose pour les autres semaines, mais j'ai vraiment envie d'enchaîner un maximum de directs sur la chaîne avant la fin de l'OmniFest. En tout cas, on prévoit des surprises. C'est ça. Ça va être... La semaine prochaine et début septembre, parce que le festival s'arrête le 3 septembre. Voilà, c'est ça. Et non pas fin août. Ouais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo d'annonce sur OmniWalk. On espère que vous serez au rendez-vous pour ce direct qui se passera quand même sur 3 jeux différents. Donc ce sera un petit peu diversifié, mais il y aura pas mal de jeux de plateforme quand même. Parce que ça va être cool, il va y avoir du skill et je pense qu'on va bien délirer. Donc en tout cas, on espère vous voir. N'hésitez pas aussi à donner vos jeux s'il y a des jeux que vous voulez voir en direct. Exact. Ou autre chose, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Oui. Vous avez pour ça la boîte à idées ou tout simplement en commentaire sur la vidéo. Voilà. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo d'annonce et sur ce, on vous dit peut-être à ce week-end et sinon il y aura la rediffusion tout simplement exactement. Sur la chaîne dans la playlist Les Directs. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt, voilà.